Dieu qui fait le ciel et la terre. Chacun de nous reçoit de lui la grâce et la paix par Jésus-Christ, notre Seigneur. Bienvenue à vous dans ce temple, qui que vous soyez, vous êtes ici chez vous. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à distance, que chacun se sente accueilli dans ce moment où nous recherchons la parole de Dieu, nous recherchons sa présence et nous recherchons à communier ensemble dans cette bonne nouvelle de l'Évangile. Nous commençons par louer Dieu avec le chant d'un psaume, qui est le psaume 8. « Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique ». Nous chantons les trois premières strophes de ce psaume 8. L'heure vient, nous dit le Seigneur, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair ne sert de rien. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous prions Dieu. Seigneur, viens nous donner ton esprit. Viens renouveler ton esprit dans notre esprit. Oui, Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi pour vivre. Nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de nous conforter dans l'amour inconditionnel que tu nous donnes. Viens rappeler à nos cœurs cette grâce infinie qu'est la tienne. Viens toi-même faire ta demeure en nous pour que nous vivions par toi et en toi. Viens, Seigneur, nous apprendre ta volonté et nous soumettre à tout ce que tu attends de nous. Ouvre, Seigneur, devant nous des portes, ouvre ces chemins quand nous-mêmes nous pourrions penser qu'ils sont fermés, obstrués. Oui, ô notre Dieu, nous te demandons ton aide, nous te demandons ton esprit, ta présence et ta grâce. Donne-nous tout cela, Seigneur, nous en avons besoin. Amen.
Mais l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé le premier et envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Ainsi, oui, nous pouvons fonder notre assurance sur cette bonne nouvelle, c'est que Dieu nous pardonne en Jésus-Christ et nous maintient toujours dans sa grâce. Nous rendons grâce à Dieu en confessant notre foi, je vous invite à vous lever. Dans la liberté qui m'est donnée d'aimer et de croire, je reçois la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu, éternel et vivant, nous aime sans condition. Par son esprit, il nous relève et il nous guide. Il nous éclaire et nous révèle. Son souffle de vie nous porte vers les autres. Et sur notre chemin, notre frère divin Jésus-Christ est présent. Il nous nourrit et il nous invite à construire ensemble le monde que Dieu désire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et comme il faisait très chaud, j'ai voulu prêcher aujourd'hui sur un texte aquatique. Jésus qui marche sur l'eau. Dans le récit qui nous est donné dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, verset 16. Le soir venu, les disciples descendirent jusqu'à la mer. Et ils montèrent dans une barque. Attendez, non, faut que je reprenne un peu avant, excusez-moi. Parce que c'est important, juste au verset 15. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Voilà. Et le soir venu, les disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum, de l'autre côté de la mer. Les ténèbres étaient déjà venues et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Voici qu'un vent violent soufflait, la mer se soulevait et après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque. Et ils furent dans la crainte, mais Jésus leur dit « C'est moi, soyez sans crainte ». Ils voulurent donc le prendre dans la barque, mais aussitôt, la barque toucha terre là où ils allaient. Et en écho à cela, voici le psaume 69, enfin le début, le milieu et la fin. Au chef de chœur, sur les lys de David. « Sauve-moi, mon Dieu, les eaux me montent jusqu'à ma gorge. » Je m'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Je m'épuise à crier, ma gorge brûle, mes yeux sont usés d'attendre mon Dieu. Et moi, je te prie, ô Éternel, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, ô Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce. Que j'échappe à tout ce qui me hait, à l'abîme des eaux. Que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale pas, que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour, et dans ta grande tendresse, regarde-moi.
ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suffoque. Vite, réponds-moi. Sois proche de moi. Rachète-moi. Paie ma rançon à l'ennemi. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, ô Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cela plaît au Seigneur plus qu'un taureau, plus qu'une bête ayant cornes ou sabots. Les pauvres l'ont vu et sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car l'Éternel écoute les humbles, il n'oublie pas les siens enfermés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Amen. Nous chantons 47-10, de quoi t'alarmes-tu, Seigneur ? Le cantique 47-10, les trois premières strophes, de quoi t'alarmes-tu, Seigneur ? Et ça se trouve, page 739. Jésus marche sur l'eau à la rencontre des disciples perdus dans la tempête sur la mer de Galilée. En Jean 6, c'est un miracle assez spectaculaire. La question, c'est qu'en faire ?
Alors il y a deux solutions qui, à mon avis, sont toutes les deux aussi mauvaises. Et donc il y en a une troisième que je garde en réserve parce que je pense que c'est la bonne. Enfin, je ne sais pas si j'arriverai à vous y convaincre. Je vais essayer. En tout cas, je vais déjà essayer de vous dégoûter des deux premières. La première, c'est d'y croire. Jésus a marché sur l'eau, donc très bien, c'est un miracle absolument formidable. À mon avis, ça n'a aucun intérêt, parce que si la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est de dire « Mes amis, si un jour vous êtes dans une barque en train de ramer dans la tempête et que vous avez peur, vous n'avez qu'à prier, et Jésus viendra marcher sur l'eau à votre rencontre. » Moi, ça m'arrive rarement d'être dans une barque au milieu de la tempête, et je crois que très peu de chrétiens ont vu Jésus leur apparaître matériellement sur la mer quand il ramait dans la tempête. Donc croire matériellement à l'événement, c'est donner une bonne nouvelle qui n'intéresse personne, tout simplement, ou très peu de gens, peut-être les marins pêcheurs, et encore, je ne sais même pas si ça marche. Bon, donc j'enlève. Alors reste l'autre solution, de dire « j'y crois pas ». Ce n'est pas possible d'abord matériellement de marcher sur l'eau. Mais alors si ce n'est pas vrai, ça veut dire que l'Évangile, c'est une fable, une invention, un conte et légende, une sorte de croyance un peu qui ne sert à rien. Et à ce moment-là, on fait de l'Évangile un roman, et c'est ce qu'a fait en gros ce qu'on appelait le libéralisme rationaliste de la fin du 19e siècle et au début du 20e, qui en fait enlevait de l'Évangile tout ce qui leur semblait irrationnel. On dit ça c'est pas possible, donc c'est des inventions légendaires du Moyen-Orient, on enlève parce que c'est pas possible, donc c'est faux, c'est une invention. Ça ne me plaît pas non plus, j'ai la naïveté de croire que l'Évangile n'est pas une affabulation, mais je pense qu'il y a là quelque chose de vrai et je veux pas croire que les évangélistes nous aient menti ou inventé quelque chose pour faire du spectaculaire. Alors reste la solution 2,5, je dirais. La troisième, je la garde encore. 2,5, c'est celle à laquelle j'adhère. Elle n'a aucun intérêt non plus, mais je vous l'ai dit parce qu'elle m'amuse. Voilà, vous serez prévenus. C'est de mélanger les deux, à moitié rationaliste, et de dire, bon, marcher sur l'eau, c'est pas possible, mais peut-être néanmoins que les évangélistes n'ont pas tout inventé. Peut-être qu'il y a quand même eu un événement en dessous, réel, et que c'est juste la manière de le raconter qui donne l'impression que c'est miraculeux, alors que ça ne l'était pas. Ça, c'est amusant. Et effectivement, avec mes groupes de bibliques, on avait trouvé une explication possible que je vous donne. Bon, de dire... Le texte nous dit que les disciples ont ramé 25 ou 30 stades. Normalement, le lac fait 50 stades de large, donc ils ont ramé la moitié. Très bien. Mais le texte nous dit aussi que c'était la nuit et qu'il y avait de la tempête. Donc question, comment les disciples savaient qu'ils avaient ramé 25 stades ? En fait, ils n'en savaient rien. Et l'idée, c'est que les disciples auraient en fait ramé beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Donc, en fait, sans s'en rendre compte, ils avaient traversé pratiquement tout le lac. Et donc, ils arrivent pratiquement au bord, à quelques mètres de la berge. Mais ils ne le savent pas. Jésus, ils l'avaient laissé dans leur coin, en train de prier dans la montagne. Jésus descend sur la berge et dit à les traîtres, ils ne m'ont même pas attendu. On avait rendez-vous à Capernaum. Alors, Jésus dit, c'est pas grave, moi je vais y aller par mes propres moyens. Donc soit il prend un petit âne et fait le tour, soit il prend un autre bateau, puis comme il est plus malin, c'est quand même le Fils de Dieu, il arrive avant, voilà. Il arrive à Capernaum et il se dit, c'est marrant, ils ne sont pas là, on avait rendez-vous. Et il va sur le bord de la plage et il se dit, je vais voir s'ils arrivent. Donc il va sur le bord de l'eau, il met les pieds à peine dans l'eau, et à ce moment-là, les disciples arrivent avec la barque, ou tout à fait au bord, mais comme il n'y a pas de lumière, ils pensent être au milieu, ils voient Jésus fantomatique dans la nuit, ils sont terrorisés en disant « un fantôme ». Jésus leur dit « c'est bon les gars, n'ayez pas peur, c'est moi ». Et à ce moment-là, le texte nous dit « ils voulurent le prendre dans la barque » et aussitôt, la barque touche à terre là où ils allaient, ils rament, ils disent « on va le prendre dans la barque », ils avancent et dès qu'ils arrivent sur Jésus, ils échouent, puisque Jésus était déjà sur le bord. Voilà. Pas mal ça, non ? Alors, c'est amusant, mais ça n'a absolument aucun intérêt. C'est-à-dire que ça ne rend pas le texte plus intéressant, parce que, quelle leçon on en tire ? Et donc, voilà la bonne solution. La bonne solution, c'est la suivante. C'est de dire, écoutez, mes amis,
peu importe, vous pouvez y croire, ne pas y croire, croire à la version 1, à la 2 ou à la 2,5, ça n'a aucune importance. La seule vraie question, c'est qu'est-ce que ça a comme importance pour vous, ici et maintenant ? Voilà, ça c'est l'interprétation du texte, si vous voulez. Quel sens ça a pour vous, ici et maintenant ? Or, comme là où je suis, il n'y a pas beaucoup de mer, ni de barque, ni d'eau, il faut l'interpréter symboliquement, ben, il n'y a pas le choix. Mais c'est d'ailleurs ce que fait toute la Bible. Hein. Je vous ai lu tout à l'heure le psaume 69, quand le psalmiste dit « Sauve-moi mon Dieu, les eaux me montent jusqu'à la gorge », c'est pas réservé pour les gens en train de se noyer. Quand il dit « Je suis au fond du puits », situation assez rare. Mais on comprend bien « Sauve-moi mon Dieu, je me noie, je coule, je perds pied », ça je peux le dire. Et voilà la référence qui est celle, je crois, de ce texte, c'est de comprendre que la mer, dans toute la Bible, est l'image de l'épreuve, de la difficulté, de la mort, de la situation où je coule, où je perds pied, où je dis je vais me perdre, me noyer, et voilà la situation dans laquelle je peux me trouver, et voilà ce que nous dit le texte, qu'est-ce que Jésus peut faire pour moi quand je suis dans la tempête de ma vie, quand je me dis je croyais y arriver, je n'y arrive plus, je suis dans le noir, dans le vent, et je vais me perdre, je n'y arrive pas. Alors là, il y a plusieurs solutions. Il y a la solution de l'Ancien Testament et celle du Nouveau, dirais-je. Dans l'Ancien Testament, on nous montre une situation semblable quand le peuple, vous savez, fuit d'Égypte avec Moïse et ils arrivent devant la mer Rouge. Et là, le peuple dit, Seigneur, Moïse, je ne sais pas comment il l'appelait, Monsieur Moïse, ou bon, Moïse, on n'y arrivera pas, on ne peut pas traverser, c'est intraversable cette affaire. Et Moïse dit, pas de problème, Dieu va nous aider, ce que je crois. Simplement, dans l'Ancien Testament, Moïse frappe la mer et la mer s'écarte. Voilà, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, on croyait que Dieu pouvait intervenir sur les événements pour nous permettre de passer à pied sec. Donc oui, nous sommes confrontés à des moments de difficulté, des épreuves qui nous semblent intraversables. Dieu nous aide à les traverser, je le crois. Mais l'Ancien Testament, on croyait que Dieu aidait en intervenant sur les événements, c'est-à-dire qu'il écarte les problèmes, donc le bon croyant, il a moins de soucis, si vous voulez. Et dans le Nouveau Testament, Dieu n'intervient pas sur les événements, mais il intervient sur le croyant. Ça change tout, hein ? C'est-à-dire que Dieu n'écarte pas la mer, il y a toujours la mer, mais on arrive à marcher dessus, la tempête est apaisée, on y arrive, et donc on peut traverser ce qui semblait intraversable. Et dans Jean, on a aussi donc cela dans cette histoire que je vous ai lue. Le message de base, c'est bien ça. Quand on est perdu, quand on est dans le noir, dans la tempête, dans la mer, eh bien, la bonne nouvelle, c'est de dire, où que vous soyez, Jésus se trouve sur votre chemin. Et il est devant vous là, pas loin, et il vous dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et même dans toute situation la plus difficile, eh bien, Jésus n'est pas loin. Et ce que vous avez de mieux à faire, c'est de le prendre dans votre barque. Et si vous prenez Jésus avec vous dans votre barque, dans la tempête, eh bien, vous arriverez à bon port. Et cette tempête ne vous menacera plus et elle sera tout à fait, et vous serez dans la tranquillité. Alors, ce bon port, d'ailleurs, où ils allaient, quel est-il ? Eh bien, on nous dit que c'est Capernaum. Capernaum, on en a une mauvaise image parce que, je ne sais pas ce que ça veut dire chez vous, mais en français courant, un Capernaum, c'est un grand bazar, quoi. En fait, cette idée de Capernaum qui veut dire un grand bazar, ça vient de l'occupation romaine du temps du Christ, où les légionnaires romains allaient à la synagogue de Capernaum, qui était la grande synagogue du coin, et comme ils ne comprenaient rien et qu'un office juif, c'est quand même assez mouvementé, je vous invite à y assister, il disait c'est le bazar, quoi. Et donc c'est le bazar, ben, c'est comme à Capernaum, c'est le foutoir, quoi. Tout le monde parle en même temps, c'est le désordre. Mais bon, avant d'être ça, Capernaum, c'était une ville importante dans Israël et qui avait un sens tout opposé, parce qu'une fois de plus, ce lieu se définit par ce qu'il signifie en hébreu, Kafar Nahum, Kafar en hébreu ça veut dire couvrir. Couvrir, apaiser, pardonner, protéger. D'où Kafar veut dire aussi le village. Parce qu'un village, c'est un endroit couvert, où on est protégé,
où on est bien et en sécurité. Et Naum, ça veut dire consoler, pardonner. C'est le premier mot qu'il y a en Ésaïe 40, vous savez, consoler, consoler mon peuple, dites-lui que sa faute est pardonnée, et elle est expiée de toutes choses, et que Dieu vient, etc., et une voix crie dans le désert, etc. Ça commence par ça, Nahamu, Nahamu, Ami, donc Nahum, Naum, qui veut dire pardonner, consoler. Et donc voilà où ils espéraient aller, Capharnaüm, le village de la consolation, le village du pardon. Ils voulaient arriver dans un lieu d'apaisement, un lieu de pardon, un village où justement on a la paix et la tranquillité. Voilà où ils voulaient aller. Mais cela dit, la mauvaise idée, c'est qu'ils prétendaient y aller tout seuls. Et ils se disaient, nous, on va y aller par nous, nos propres moyens. Je vous rappelle que dans le texte, ils avaient abandonné Jésus dans son coin. Jésus était allé prier dans la montagne, et eux, au lieu de prier, ils se sont dit, bon, on n'en a rien à faire, on n'a pas besoin de prier, on va aller tout seul jusqu'à Capharnaüm. Nous trouverons par nous-mêmes, dans notre vie, une force de consolation, de tranquillité et de pardon. On y arrivera. Ce n'était pas une très bonne idée, apparemment. Ce n'était pas une très bonne idée. Parce que, en fait, je ne crois pas qu'on puisse arriver par son propre chemin à se pardonner soi-même et à trouver la tranquillité par soi-même. On n'est pas forcé de passer son temps en prière, mais en tout cas, là, leur projet était un peu audacieux. Eh bien, il y a quand même une bonne nouvelle dans ce texte. Les disciples laissent tomber Jésus. Ils ne veulent pas prier. Ils s'en vont, prétendent gérer leur vie tout seuls, sans Dieu, sans Jésus, sans l'Évangile, sans prière, sans rien. Mauvaise idée, je vous l'ai dit. Mais Jésus est quand même très sympathique. Et en tout cas, pas rancunier. Il aurait pu leur dire, écoutez mes lapins, vous vouliez vous débrouiller, débrouillez-vous. Pas du tout. Ils se retrouvent sur leur chemin. Ça, c'est formidable. Et donc, vous voyez, le oui à Dieu, le oui à Jésus-Christ, n'est pas un oui une fois pour toutes dans sa vie à prendre ou à laisser. Mais même si un jour on n'a pas dit oui à Dieu, eh bien, on peut demain dire oui. Et toujours on peut revenir. Il y a des deuxièmes, des troisièmes chances, des quatrièmes chances, des millièmes chances de redire oui au Christ et de vouloir le remettre dans sa vie. Et Jésus est toujours disponible. Même si on s'est éloigné du Christ, on le retrouve sur notre chemin et il est là sur notre chemin. Bon, cela dit, ce n'est pas si simple puisque apparemment ils ont du mal à le reconnaître au départ. Ils sont pris de terreur. Et en tout cas, Jésus n'apparaît pas là où ils l'attendaient. Il apparaît d'une façon tout à fait surprenante, étonnante, et pas de la manière avec laquelle ils pouvaient le souhaiter. Peut-être d'ailleurs que c'est ça, le sens même de la prière, qui n'est pas de demander à Dieu, mais d'arriver à être disponible pour être capable de reconnaître Dieu quand il se présente. Et je dirais que c'est tout l'exercice de la vie que d'être capable de reconnaître les chances quand elles se présentent dans notre existence. Ça, c'est vrai matériellement, mais même spirituellement, être capable de reconnaître la main de Dieu quand elle s'approche de nous, ça, c'est vraiment la chose essentielle. D'être capable de reconnaître le Christ qui nous donne un présent, un don, une grâce, pas sous la forme que nous attendions, pas au moment où nous l'attendions, mais être capable de dire « oui, là, le salut s'est approché de moi ». Mais en tout cas, ce Christ qui leur apparaît, il leur apparaît devant eux et jamais derrière. Vous voyez, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'être en retour, il ne s'agit pas de revenir en arrière pour aller retourner sur la berge, rechercher le Christ qui priait, on n'aurait pas dû le laisser tomber. De toute façon, Jésus est toujours devant et sur notre chemin, le tout c'est de le reconnaître, de le prendre et il nous mène à bon port. Alors les disciples, ils font pas mal de choses bien. D'abord, ils font pas mal de choses bien. Jésus leur dit « n'ayez pas peur ». D'accord, c'est très bien, bonne idée, ils acceptent l'idée. Deuxième chose, excellente idée, ils veulent le prendre dans leur barque. Excellente idée, prenez Jésus dans votre barque, faites monter à bord de votre vie le Christ et ça changera votre vie.
Quand Jésus est avec moi, je n'ai plus peur. Et le texte nous dit même que dès qu'on met Jésus dans sa barque, on arrive très vite à bon port, à Capharnaüm. On arrive très vite au lieu de la consolation, du pardon et de la tranquillité. Mais quand même, cette découverte apparemment n'est quand même pas très facile. Ils ont ramé 25 ou 30 stades dans des vents, dans des tempêtes. Ils ont ramé, ramé, ramé. Et là aussi, je crois que c'est vrai, malheureusement. Certes, Dieu ou le Christ présente à nous quand on en a besoin, mais pas toujours tout de suite. Et avant qu'ils découvrent le Christ, il a fallu qu'ils rament dans la tempête 25 ou 30 stades. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu 25 ou 30 stades de galère pour eux. Ce n'est pas immédiat. Alors ça semble ne servir à rien tout ce temps, mais en même temps, il faut être patient. Parce qu'il y a ensuite une bonne nouvelle, c'est que certes, découvrir Dieu dans sa vie peut prendre du temps, mais quand on le trouve, immédiatement on arrive à bon port, ça va beaucoup plus vite qu'on ne pense. Et puis ces 25 ou 30 stades, pourquoi 25 ou 30? Alors là, vous savez, j'ai une grande manie de la numérologie et ça me passionne tout ça. Évidemment, comme vous êtes rationaliste, sans doute, vous dites, vous me l'avez expliqué tout à l'heure, 25 stades, le lac fait 50 stades, donc c'est pour dire que c'est la moitié, pourquoi pas. Mais en même temps, saint Augustin, que j'aime beaucoup, et que je consulte toujours avant de prêcher sur un texte, enfin, je ne prêche jamais sur un texte biblique sans aller voir ce que dit saint Augustin, évidemment, se pose la question, pourquoi 25 ou 30 stades? Alors, il a des idées qui se défendent. 25, c'est 5 fois 5. C'est 5 au carré. Un peu mathématique, mais jusque-là, tout le monde devrait suivre. Et 5, c'est la loi, le Pentateuch. Vous savez, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est la loi de Dieu. Et 5, c'est les deux tables de la loi, 5 commandements sur une table, 5 commandements sur l'autre. Et donc 5 au carré, c'est la loi au carré. Ça, c'est pas bête, ça. C'est-à-dire déjà, les disciples étaient sans Dieu, mais ils ont quand même travaillé la loi pour la loi pour la loi pour la loi, c'est-à-dire l'obéissance et la fidélité. Et ça, c'est ce que me disent mes amis juifs, qui disent, en fait, vous savez, il n'y a même pas besoin de croire en Dieu pour être juif, il suffit d'appliquer les commandements. C'est pas idiot. On a la même chose dans toutes les grandes paraboles où Dieu est absent, il s'en va. Et les serviteurs, eh bien, on leur demande juste de faire le job. Donc, vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous ne priez pas, Dieu, ça vous semble éloigné, c'est pas grave. Ça ne vous empêche pas, 5 fois, 5 fois, d'aimer votre prochain comme vous-même, de servir, de pardonner, d'accompagner et d'aimer. Voilà. Donc, avec ou sans Dieu, au carré, la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis le 5 x 6, j'en sais rien, 6 x 5, 30. Alors, saint Augustin dit que le 6, c'est les... Je ne suis pas d'accord avec lui, peut-être bon. Que le 6, c'est les 6 jours de la création matérielle, donc ça veut dire que c'est aussi une fidélité dans la vie concrète et matérielle, c'est-à-dire, certes, j'aime mon prochain comme moi-même et tout ça, mais en même temps, je ne triche pas sur mes impôts, voilà. Il y a aussi une sorte de fidélité dans la vie concrète, matérielle, qui n'est pas rien. Bon, on ne peut pas jouer sur les deux plans. Et quant à moi, je vous ai dit, le 6, je le vois plutôt comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'absence de Dieu. Le 6, c'est le nombre de la bête, c'est le rejet de Dieu. Eh bien, même si vous rejetez Dieu, vous pouvez toujours être fidèle à la loi. Et donc voilà, les disciples ont ramé, certes, mais en restant fidèles à une sorte d'éthique, si vous voulez, de valeur. Et c'est pas rien. Parfois, on a l'habitude dans nos églises de critiquer ce qu'on appelle les protestants sociologiques, qui ne croient plus en rien, mais ils disent « pour moi, il y a des valeurs ». Bon, c'est pas tout à fait idéal, mais c'est déjà pas mal. Parce que si vous ne croyez plus en rien, et qu'en plus, vous n'avez plus de valeurs, là, ça devient compliqué quand même. Et donc, les valeurs, écoutez, c'est déjà pas mal. Ça ne permet pas d'arriver tel quel à Capernaum, c'est-à-dire à l'accomplissement de la paix, de la tranquillité, du pardon, de la consolation, mais ça met quand même bien en chemin. Et en fait, les disciples d'ailleurs, ils arrivent à Capernaum à quel moment ?
Je vous ai dit tout à l'heure que c'est dès qu'ils mettent Jésus dans la barque. Réponse, non. Le texte ne dit pas ça. Le texte dit, ils voient Jésus donc, ils voulurent le prendre dans la barque, et aussitôt la barque touche à terre là où ils allaient. Ça, c'est absolument génial. J'avais jamais vu cette affirmation incroyable de l'Évangile. Ils n'arrivent pas à Capernaum dès que Jésus est dans la barque, mais dès qu'ils veulent le mettre dans la barque. C'est une des plus belles expressions que je connaisse du salut par la foi et non pas par les œuvres. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de se dire « vous serez sauvés si vous arrivez à mettre Jésus dans votre barque, si vraiment Jésus est dans votre vie, si vraiment vous avez une foi formidable ». Mais le simple fait de le vouloir de tout cœur, ça vous sauve. Voilà. Et donc, on n'est pas sauvé par les mérites de notre foi, si vous voulez. Notre foi n'est pas un mérite et on n'est pas sauvé parce qu'on est arrivé à la grande proximité avec le Christ. Le simple fait de désirer ardemment mettre Jésus dans sa barque nous mène à la consolation et au salut et au pardon. Et donc voilà, toi qui m'écoutes, ne crains rien. Car même si tu rames, même si tu t'es éloigné de Dieu, ne crains rien. Jésus se trouvera toujours disponible sur ta route. Sache le reconnaître, n'aie pas peur, et dis-lui juste, viens, monte dans ma barque, et tu seras sauvé. Tu seras dans la consolation, le salut, le pardon, la paix et la vie. Amen. Merci à Philippe Mide, notre organiste, pour cette paraphrase de Bach sur le cantique que vous avez chanté juste avant. De quoi t'alarmes-tu ? C'est un vieux choral luthérien, Was Gott tut, das ist Wohlgetan, que Bach a travaillé souvent. Et donc c'était effectivement une méditation sur cette mélodie. Maintenant, nous allons chanter quelque chose de plus habituel dans nos assemblées, plus connu, « Prends ma main dans la tienne », 47, 14, les trois premières strophes. Thank you.
Quelques annonces concernant la vie de notre communauté. Donc aujourd'hui, c'est le culte qui... On fait un culte de rentrée en septembre, c'est pratiquement le culte de sortie. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, effectivement, nos activités vont se limiter au culte du dimanche, qui sont maintenus tous les dimanches pendant tout l'été à 10h30, en présence et bien sûr à distance. Comme ça, même si vous êtes en vacances, vous pourrez continuer d'écouter le culte sur... en direct ou en différé sur YouTube, et faites connaître aussi cette opportunité à vos amis, tous ceux qui cherchent un culte ou qui regrettent de ne pas en avoir. Signalez-leur que ça existe, que le travail que nous faisons puisse profiter au plus grand nombre. Et puis, donc le culte se prolonge, et puis nous allons, Florence et moi, avoir pendant tout l'été, en plus, évidemment, beaucoup de mariages et de baptêmes, ce dont nous nous réjouissons. J'en ai fait hier 4 en 3 cérémonies différentes et il y en a encore beaucoup à prévoir et c'est une joie pour nous. La semaine prochaine, le 19, donc le culte sera... le 20, je ne sais pas combien. Le culte sera présidé par le pasteur Nicolas Piquetet, le 26, qui nous vient de Genève. Il est pasteur à Genève et vient nous faire une visite fraternelle et c'est donc lui qui présidera le culte. Il m'a demandé une liberté liturgique, donc je lui ai évidemment accordé de faire comme il voulait. On verra. Ce sera, en tout cas, c'est un pasteur qui est un de mes amis les plus chers, et donc je suis très heureux qu'il vienne partager ici le culte à l'étoile. Et puis, dans 15 jours, donc, ce sera moi, le 3 juillet, ensuite Florence, tout le mois de juillet, et en gros, moi, le mois d'août, sauf le 21, ou c'est Raphaël, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça, le 21 août. Voilà. En tout cas, vous êtes toujours bienvenus dans ce culte ou dans toutes nos activités. Et aujourd'hui, à la sortie, il y a aussi un comptoir de l'action Madagascar, auquel vous pouvez donner bon accueil. Voici maintenant le moment de l'offrande. Dimanche dernier, c'était un culte d'offrande particulier, puisque c'était les confirmations, et nous avions 15 jeunes qui ont donc confirmé leur place dans l'Église. Il y en a encore 3 à venir. Mais aujourd'hui, en tout cas, il est toujours temps de donner, parce que nous avons tant reçu de la main du Seigneur qu'il est bon de savoir aussi donner d'un cœur reconnaissant et joyeux. Nous nous unissons enfin dans la prière. Ô Dieu notre Père, nous voulons d'abord te remercier, te bénir pour ce que tu es toujours disponible près de nous, devant nous, sur notre chemin, sur notre route, et prêt à nous conduire
dans la consolation et dans la paix. Nous te remercions, nous te bénissons pour cette communion de l'Église où ensemble nous partageons cette bonne nouvelle et où tu nous nourris de ta parole. Oui, nous te bénissons, c'est vrai, pour cette parole vivante, lumière, nourriture et vie, pour tout ce que ton amour nous donne chaque jour, nous te bénissons. Et maintenant, nous voulons te prier, remettre entre tes mains tous ceux que l'amour du Christ a confiés à notre amour. Nous te prions pour nos bien-aimés, pour ceux que nous te nommons à cet instant dans le secret de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, sois avec eux. Nous te prions pour tous ceux qui sont dans la douleur, dans le deuil, la difficulté, tous ceux qui ont perdu un être cher en ce moment ou il y a quelque temps. Pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, oui Seigneur, nous te prions, sois avec eux et donne-nous de savoir être présent ou dire ce qu'il faut, témoigner peut-être de notre affection. Et nous te prions pour notre peuple, pour tous les peuples de la terre, que tous nos pays sachent marcher vers une patrie plus fraternelle et plus juste. Et nos cœurs unis dans une même foi en toi et un même désir de te servir, nous pouvons te dire, ô notre Dieu, la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Soyez en paix, nous dit l'apôtre. Soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever. Nous allons recevoir la bénédiction de la part de notre Seigneur. Et n'oubliez pas, les plus démunis, par la collecte du diaconat à la sortie de l'Église. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Dieu vous bénit et vous garde. Allez dans sa paix, sa force et sa joie. Amen.